Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour un haul action. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, on change un petit peu de décor. En plus, on a la lumière, on a du soleil en ce moment, donc on en profite. Un calico s'est incrusté pour la vidéo et pour le haul action. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris cette semaine. On a repris déjà de la lessive, voilà, elle est plutôt pas mal, c'est la lessive vraiment la moins chère qu'on trouve à Action. Vous pouvez faire 25 lavages avec et franchement nous on l'aime bien, donc j'en ai repris comme il n'y en avait presque plus. Ensuite j'ai repris des petits sachets comme ceci, j'en ai repris deux. Je vous avais fait un short sur YouTube, c'est tout simplement pour faire les petits sachets cadeaux personnalisés que je fais moi-même, voilà, tout simplement pour mes ventes Vinted. Donc du coup j'en ai repris deux sachets et vous en avez 50 à l'intérieur. J'ai repris des mouchoirs parce qu'on s'en sert tout le temps. Et là, du coup, j'en ai vu à Action, donc j'en ai profité. Pareil, hein, j'en ai repris. J'ai repris aussi du scotch, hein, mais je vous montre pas dans cette vidéo. J'ai repris trois gros scotch que je prends tout le temps. Par contre, il n'y a toujours pas de papier bulle à Action. Donc voilà, j'ai fait plusieurs actions et j'ai toujours pas vu de papier bulle. Mais en attendant, du coup, j'ai pris des enveloppes bulles. Ça, c'est les petites. Hein, et vous en avez donc 5 à l'intérieur. Il me fallait du papier à imprimante et je me suis dit que j'allais tester celui de chez Action. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez un petit peu, mais je pense que ça fonctionne bien. Il y avait Canon ou HP, j'ai pris Canon, voilà. C'est quand même un peu le moins cher en ce moment, hein. Il est à 4,99 il me semble. Et dans les magasins, les prix ont bien augmenté, donc voilà, il m'en refallait. Et comme j'étais à Action, je me suis dit, voilà, s'ils en vendent, ce qui doit, il doit être bien. Ensuite, hein, j'ai repris des petits bonbons au caramel comme ça parce qu'on les adore, ils sont trop trop bons. Mon chéri les a adorés, du coup j'en ai repris, c'est les petits bonbons qui piquent comme ça, cerise coca, et franchement il les adore, donc du coup j'en ai repris un. Je me suis pris un petit récipient comme ça, voilà, normalement je pense que c'est pour les œufs, mais comme il est rose, moi je garde ces petites choses là, parce que des fois j'ai des petites choses à mettre et j'ai pas de petits supports roses, soit pour mettre sur ma coiffeuse ou autre. Et du coup, là, j'en ai trouvé. Et du coup, je l'ai pris. Il était vraiment pas cher. J'ai pris ceci. On adore la poudre au charbon. On l'utilise. Et du coup, je voulais tester la version qui est pas noire. c'est vegan. Voilà. C'est très très bien pour les dents. Ensuite, j'ai repris de l'eau micellaire. Alors, je pense que c'est les mêmes. Hein, mais c'est juste les packaging qui ont changé. Parce que j'ai presque terminé la mienne de chez Action. Et du coup, j'en ai repris. Tout simplement, elle fonctionne très très bien. Et on va passer aux nouveautés. Alors, j'ai trouvé de la marque Diadermine. C'est tout simplement une crème en fait de jour hydratante matifiante. Donc ça, c'est cool parce que moi, j'ai une peau grasse. Donc c'est vraiment le type de produit qu'il me faut. C'est enrichi en allantoïne, hydrate et matifie la peau. Et c'est 88% d'ingrédients naturels. Donc voilà, Diadermine, ça fonctionne bien. Et c'était la première fois que je la voyais à Action, donc du coup je vais la tester. Pareil, un shampoing du petit Marseillais. Nous on a celui au miel et karité. Celui-ci, il ne me semblait pas que je l'avais déjà vu. C'est pour cheveux longs et délicats, hydrate et protège. Douceur et éclat, amande douce et graines de lin bio. Donc voilà, le packaging rose comme ça m'a donné trop envie. En général, les petits Marseillais en shampoing, même en gel douche, ça fonctionne trop bien. Ils ont sorti les petits mascaras de la marque Bourjois. Il existait en noir et comme ceci, mais en noir, il me semble que c'était celui que j'avais, bah, c'était mon chouchou que j'avais trouvé à Nose. Donc du coup, j'ai voulu tester cette version-là. Je vois pas trop ce qui diffère, mais on verra un petit peu. Voilà, vous savez que j'adore les mascaras de la marque Bourjois. Franchement, en général, ils fonctionnent trop trop bien. Et dès que j'en trouve à Action, franchement, je les achète parce que voilà, je sais que je vais les aimer. Donc du coup, il y a des petites nouveautés mascaras à Action. Et ensuite, on va passer aux masques. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveauté au niveau des masques visage. Alors déjà, j'ai pris ça. Pour moi, c'est une nouveauté parce que je ne l'ai jamais vu au collagène. Il me semble pas, en tout cas, de la marque The Mask Doctor. Voilà, un petit masque au collagène, ça fera toujours du bien. Ensuite, hein, ils ont sorti des petits masques comme ça, des animaux. Mais regardez-moi ça, c'est trop kiki. Donc on a... alors moi, j'ai trouvé que deux modèles dans mon Action. On a Pampan. Mais regardez-moi Pampan, comment il est trop beau. J'en ai pris deux. J'ai pris deux Pampan comme ça, mais il est trop trop beau. Et on a le petit chien dans les 101 dalmatiens. Franchement, trop 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 kiki. Voilà. C'est la première fois que je les voyais et je suis trop contente de les avoir trouvés. Ensuite, ils ont fait des masques comme ça. C'est pareil, pour moi, c'est une nouveauté.
Alors je sais pas trop comment ça fonctionne parce que vous avez deux, vous voyez, vous avez deux masques en fait. Alors je pense que vous avez, ils disent pour le nez, je sais pas trop comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez un peu comment il fonctionne celui-ci. Mais je sais pas parce qu'ils disent qu'il y a un truc pour le nez, là il y a un masque, donc je sais pas. Ah non, c'est pour le cou. Ah ouais. Alors vous avez un masque pour le cou et un masque pour le visage. Bah écoutez, alors ça, j'ai jamais vu ça à Action, donc je testerai aussi. Et ensuite, ils ont fait des petites versions printemps, voilà, un peu comme les gammes qu'ils avaient fait pour Noël. Donc on a déjà le soleil comme ça, en holographique, ils sont trop trop beaux. On a le petit hamster comme ça, il est trop 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 kiki. On a l'œuf comme ça, l'œuf cuit en fait tout simplement, et du coup vous allez ressembler à un œuf, hein, je suis désolée. Et on a le petit lapin, voilà, ils sont vraiment trop 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 kiki. Voilà ce qu'il en est pour mon haul Action, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, c'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.